La rentabilité des exploitations de viande bovine en 2018 est à un faible niveau, quasi similaire à 2017. Le BE par ETH est de 40 400 euros, soit un revenu disponible par ETH de environ 16 000 euros. Ce niveau est insuffisant pour couvrir les rémunérations des éleveurs et les risques qu'ils encourent. Ce niveau de faible rentabilité s'explique par des prix des animaux à un faible niveau. Aujourd'hui, en 2018, la charolaise, le prix moyen était de 3,69 euros du kilo et pour la blonde d'Aquitaine de 4,36 euros. Le reste des charges sur l'année était à peu près semblable à l'année dernière. Dans ce contexte, la transmission des exploitations est un enjeu primordial. En société, la reprise des capitaux concerne environ 30% des investissements de l'année. Pour un jeune qui veut s'installer tout seul, avec un EBE de 40 000 euros, et si on veut qu'il ait 20 000 euros de revenus disponibles, il peut se permettre d'emprunter environ 250 000 euros à la banque. Or, le capital par ETH dans nos comptabilités est de 310 000 euros, ce qui laisse une problématique quant aux équilibres financiers sur ces premières années d'installation et même ensuite. 20% de nos éleveurs ont un revenu disponible supérieur à 30 000 euros. Il existe des systèmes gagnants en viande bovine à partir du moment où le système est cohérent entre l'éleveur, l'élevage et son environnement.